pour pouvoir faire ce film, j'ai mis un système de camouflage et c'est vrai que ça marche très très bien. Mais vu la densité de la végétation, c'est pas facile. Là, j'ai la chance d'entendre une meute de loups un peu plus loin, mais malheureusement, je n'arrive pas à la voir. J'entends que ça hurle. Là, on voit que ça. Il est légèrement inquiet, il se demande d'où vient ses cris. Le loup vit en meute, principalement, et l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un couple reproducteur sur toute une meute. Là, je pense que c'est une femelle, mais je suis très très loin et la végétation est très dense. Le vla qui marche tranquillement. Là, il est à 20 mètres devant mon affût. J'ai la chance inouïe de pouvoir l'observer d'aussi près. Ça, c'est un deuxième groupe de loups. Il m'a l'air d'avoir un problème à une oreille, ce loup. Soit un tic, ou à la suite d'une bagarre, parce que ça se bagarre souvent. Ah, il est en train d'uriner dans un plan d'eau. Le loup, c'est vrai, c'est un animal fantastique à observer, mais pas du tout facile. Il faut tout le temps respecter son territoire et ce n'est pas du tout dangereux pour l'homme. Il le fuit. Là, je pense que si je n'aurais pas un système d'affût, je n'aurais pas pu faire ces images-là. Les loups, les naissances se font au mois de mai. Là, nous sommes au mois d'août. Je n'ai pas vu de naissance. Peut-être un problème, il manque des proies, donc dans ce cas-là, le loup ne se reproduit pas. S'il voit qu'il ne peut pas nourrir ses petits, il n'y aura pas de reproduction. Ah, ça c'est une scène très intéressante. Alors, je vois un groupe de trois loups, mais bon, ça vient. À mon avis, il doit y avoir d'autres loups un peu plus loin. Là, c'est un mâle alpha. On voit son allure de marcher, la tête un peu haute. Et oui, la femelle derrière. Là, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'espère que ce film va vous plaire parce que j'en ai bavé il y a des semaines, des heures d'affût, souvent pour pas grand chose. Et là, ça m'a demandé quand même une bonne quinzaine de jours pour tourner ce film. Là, on voit ce loup qui se repose. J'espère que j'ai pas été repéré. On voit un peu mon camouflage devant là. Il arrive et il est vraiment très très près. Bon, j'ai mis quelques appâts, hein, je ne cache pas, pour pouvoir les attirer. Et malheureusement, c'est tout.